mais Berthaud mettra le deuxième. Bon, on va rentrer la deuxième sur la peine. Giges à 49, UDG 48, 7 minutes à jouer. Défense man-man. Ça sera 2 points. Ça va prendre 2 points. 51-48. 3 points de retard pour l'UDG, 6 minutes 50 à jouer. C'est long. Donc il y a le temps de revenir. Et Telic pour Morantin. Morantin qui joue. Je pense qu'il y a une petite stop quand même, mais bon. Avec Ortega. Ortega qui a fait une bonne rentrée. Qui est dur à contrôler là, depuis le début. Valois, le tir. Yep. Ils ne l'ont pas vu. UDG toujours en défense des zones. Avec Villar et avec Ortega. Ortega qui attaque le cercle. Ortega, il y aura une faute. Il y aura une faute du numéro 11 Mansaré. C'est sa troisième faute. Là, je ne sais pas si tu l'as également entendu, Moussa. Le banc UDG qui est un peu décimé par les blessures. Mais les 5 joueurs, je ne sais pas si tu as entendu. Défense. C'est vraiment notre marque de fabrique. Et là, voir Bordeaux à la fin du troisième quart-temps en mettant que 41 points, c'est pas mal. Quoi. C'est loin de leur standard offensif. Hein. Même si le premier lancer franc. 48-42 pour l'UDG. Attention, juste le petit bémol, c'est Mansaré, troisième faute. Le repli, les gars. Un pour Ortega. Allez, écran Ortega qui attaque le cercle, Ortega c'est dedans. 48-44. Thank you.
Yeah.